aux aisselles. Je vous ai dit quoi avec Poil aux aisselles? Je m'interroge. La femme du père des poussins. Poil aux aisselles, tu as entendu ce que le père des poussins a dit? Point d'interrogation. Tu as entendu ce que Amek Amé a dit? Point d'interrogation. Amek Amé dit que la seule femme intelligente avec qui il est sorti, la femme la plus intelligente avec qui il est sorti, de toutes les femmes avec qui il est sorti, c'est la femme qui est docteur, la Modestine. L'insulte de ça. Ah non, peut te manquer de respect en public comme ça, ma copine. Point d'interrogation. Le gars avec qui tu es sorti publiquement, il vient dire sur les réseaux sociaux que de toutes les femmes avec qui il est sorti, la plus intelligente que c'est Modestine. Mais mon frère, hey. On peut insulter une femme comme ça? Je m'interroge. C'est-à-dire que pendant ce temps, tu colles le buzz sur lui alors qu'il avait à manger ce qu'il devait manger. Et pendant ce temps, il vient te ridiculiser en public. Et c'est sur moi que tu viens faire ta force. Je m'interroge. Je vous ai dit que dès qu'elle va m'entendre, elle peut lui donner l'audience. Elle ne va pas tarder parce qu'elle attend ça depuis des années. Aïe. Maman, pour nos essais, a sorti la dernière valise. Seigneur Jésus, attendez un peu. Quand il faut répondre à l'étoile criblette, pour nos aisselles panique avant de me répondre. On peut être bête comme ça. Je m'interroge. On peut s'agiter comme ça, ma copine. Je m'interroge. Maman est partie chercher les habits de. Comment là, vous connaissez l'artiste là? L'artiste qui chantait là, les vêtements de Shakiro là. Comment il s'appelle celui qui est décédé là? Qui s'était électrocuté dans l'eau là? Elle est partie chercher les habits des. Les Claudettes, Claude François. Les habits brillants là pour venir épater l'étoile criblette. Donc, comme elle a entendu que j'ai dit que quand elle fait les lives, elle met toujours les nacos en avant parce qu'elle n'a rien de beau à dire, elle va attirer les petits pervers. Elle a dit que, hey, ma patronne a parlé, je vais me couvrir. Adama. Mais mon frère, hey. Adama, tu t'es couverte. Elle s'est couverte. Elle a caché un peu les plastiques, elle a dit que non. Oh, maman. Ma patronne a parlé, je m'en vais me couvrir. Poil aux aisselles, tu as oublié, maintenant tu t'habilles. Point d'interrogation. Tu sais déjà te couvrir. Je m'interroge. Poil aux aisselles, tu dis quoi? Que j'ai acheté la sucette adulte d'Amek Amé. On peut manquer de sujets comme ça. On peut vouloir clasher quelqu'un, ne rien avoir à dire sur la personne comme ça. Tu es perdu. Donc c'est-à-dire que toi, avec le macabo dans le string, il n'hésite pas de teignasse, d'écraser ton dongo. Et c'est moi l'étoile qui vient, qui vais payer pour avoir la sucette adulte d'Amek Amé. Regarde-toi. Regarde ton comportement. La vulgarité de ça. La saleté à outrance. Et moi, je vais venir payer Amek Amé. Pour sortir avec Amek Amé, Adama. Ma chérie, tu ne me connais pas. C'est justement pour ça que tu oses ouvrir ta bouche devant moi. J'ai un très grand cœur. Si j'étais milliardaire, j'allais donner l'argent à tout le monde. Oh, maman. C'est pas que Dieu ne m'a pas donné les milliards. Demande à ceux qui me connaissent. Moi, je ne sais même pas pourquoi Amek Amé est venu dire ça sur les réseaux. Ce sont les gamineries. Mon frère Amek Amé, quand je rencontre mon frère Amek Amé, il a des problèmes avec sa page. On a coupé la monétisation. Et il m'avait déjà dit au téléphone que ouais, l'étoile, on a coupé ma. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça ne vous regarde pas. Et moi, chez moi, on m'a appris une chose. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire j'ai faim. Il y a une façon où quelqu'un te dit un truc, si tu es intelligent, tu comprends. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire j'ai besoin d'argent. Quelqu'un peut t'expliquer son problème sans te demander. Et ton intelligence, ta gentillesse, ton empathie te pousse à tendre la main. Ça, c'est clair. Ça s'appelle l'amour de son prochain. Ça, c'est clair. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Amek Amé, je ne peux pas le nourrir. Ça, c'est clair. Mais Amek Amé peut traverser les périodes difficiles. Je viens à la rescousse parce que c'est mon frère. Je le fais pour les femmes, je le fais pour les hommes. Ceux qui me connaissent vont te le dire. Ça, c'est clair. Demain, ça peut être moi qui suis dans le besoin. Et il vient me tendre la pêche. La vie, si on ne sait jamais. Ça, c'est clair. Quand tu me regardes, un homme ne me paye pas pour poser mon dos sur son lit. C'est moi qui vais payer un homme pour écraser le dongo. Qui? Le père des poussins. Adama. Oh, maman. Adama, appelez-moi Amek Amé ici, là. Elle dit que, mes étoiles, elle dit que, allez regarder comment est collé Amek Amé. Ma chérie, tu vois celui qui était à côté d'Amek Amé. Il s'appelle Freddy. Tu vois comment Freddy est beau? Mais mon frère, hey. Si on te met Freddy à côté, tu vas libérer le Ndongo le même jour. Oh, maman. Ce gars est mon ami depuis 10 ans. Tellement il est beau, frais, l'école dans la tête. Tous les gens qui sont en Nantes, quand ils nous voyaient, ils disaient que les deux sont d'écraser le Ndongo ensemble. Moi, je ne mélange pas l'amitié et la culotte. Ça ne passe pas, même si tu es beau comment. Seigneur Jésus, attendez un peu. 10 ans. Si je devais être en couple avec un homme africain, tromper le père des étoiles, c'est avec mon ami Freddy. Aïe. Pas avec Amek Amé. Parce que Freddy ne parle pas. Donc on peut écraser ça en cachette, la personne ne sait. Donc je vais donc t'expliquer. Les câlins que tu as vus là, je suis une personne très douce. Même avec mes enfants, je ne passe pas une journée sans faire les câlins. Merde mon frère. Même avec Aïcha, Aïcha va te dire que je fais plein de câlins. On est au restaurant comme ça, quand je t'aime, quand je t'apprécie. Je suis comme un bébé. Je te fais plein de câlins. Ce n'est pas le bébé, bébé qu'on dit là. Si la femme de Freddy te dit ce qu'elle dit quand j'envoie un message à mon meilleur ami, tu seras choquée ma chérie. C'est de ça qu'il s'agit. Une petite villageoise comme toi, tu connais quoi de la vie? Tu sais comment j'appelle mon meilleur ami? Je l'appelle mon chou. Chou. Mais mon frère, hey. Je l'appelle Chou, mon cœur. Il est à côté de sa femme, il m'appelle. Je dis oui loulou, oui Chou, oui mon cœur. Sa femme sait que je l'appelle comme ça. Ah ça. Il est avec sa femme depuis plus de 15, 20 ans. C'est un aîné. Je l'appelle et il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire même s'il n'y a plus les hommes sur terre, je ne peux pas aller piocher mon meilleur ami. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout se passe dans la tête ma chérie. Quand tu me vois arrêter Amek Amé, c'est parce que j'aime beaucoup Amek Amé.
Tu ne connais pas ça, n'est-ce pas? Toi, tu ne sais pas aimer un garçon sans que ça ne gratte là-bas en bas. Non, 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 c'est pas vrai. Tu ne sais pas ça? À l'école, je n'étais amie qu'avec des garçons. Mes camarades de classe sont versés ici, là, sur ma page. Ils vont te dire que si tu me vois avec mes photos de l'école, moi, je joue au foot à l'école. Tu ne me verras qu'avec les garçons. C'est pour ça que je peux tenir devant un homme sans écraser le ndongo. C'est une question d'habitude, ma chérie. Avec, grand frère, dis-moi un peu la vérité. Je peux te bailler pour avec moi. Point d'interrogation. Tu peux résister devant moi si je suis nu. Point d'interrogation. Un homme que je veux nias. Avec, tu partais au mariage le vendredi. Tu m'as invité au mariage. Est-ce que je suis venu? Point d'interrogation. Je suis venu recevoir mon grand frère sur Nantes parce que je l'appelle grand frère. Et je suis allé le respecter, c'est ce qu'on appelle le respect, l'amour de son prochain. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un mec qui est venu vous dire quand l'étoile m'a dépanné, sinon ça n'a pas sorti. C'est vous qui faites que vous nourrissez les gens, vous parlez. Vous habillez les gens, vous parlez. Moi, on m'a déjà aidé avec l'argent, la personne n'a pas parlé. Pourquoi moi je vais donner un centime à mec, je vais parler? Point d'interrogation. Vous pensez que je lui ai donné parce qu'il n'avait pas? Point d'interrogation. C'est parce que je savais qu'il est dans les difficultés là en ce moment. Il n'a pas eu besoin de me demander. Il ne voulait même pas parler. J'ai dit, va là-bas. La façon que lui a donné ça, c'est comme ça. C'est une question d'éducation, ma chérie. Ce n'est pas une question d'acheter la sucette. Tu vas écraser le dongo avec un homme et tu l'amènes au milieu des gens. Pourquoi je ne l'ai pas pris en panneau de cachette, ni vu ni connu? On finit, on écrase. Ma personne a vie à mec à mec. On finit, on écrase au calme. Qui nous aurait vu? Je m'interroge. Même dans les rêves, mec à mec a vu mon pote. Mec à mec peut vous dire que mon pote c'est un bel homme. Il est comme mec à mec. Peut-être que mon pote, même dans sa tête, il a les idées saugrenues. Mais j'ai éteint ça. 10 ans d'amitié. J'ai réussi à éteindre ça. Ma chérie, il faut apprendre à voir les amis hommes et te retenir. C'est comme ça qu'on grandit. Si tu ne peux pas rester à côté d'un mâle et tu n'écrases pas, ça veut dire que tu as un problème. Ouais, ça c'est très bien. Et tout le monde n'est pas comme toi. Toi, tu as exactement les habitudes des bordels. Et c'est triste. Hein? Bon, venons-en à la musique. Ça, c'est clair. Elle est contente. Elle n'a même pas de personnalité, mes étoiles. J'ai dit en direct que vous allez voir, elle va courir, aller faire le live. Elle ne peut même pas se faire désirer un peu. Comme l'étoile qui vient a dit ça, je laisse un peu. Elle a aussi couru, je n'avais pas encore fini le live. Les étoiles vont voir seulement le message. Elle est en direct. Je dis qu'elle ne pouvait même pas attendre. Tu attendais ça. Point d'interrogation. Chérie, tu entends le titre là? Mes étoiles d'amour, le titre c'est sur YouTube. Elle ne pouvait pas vous montrer ça parce que ça l'aidait. Il y a 20 000 vues dedans. 20 000. Regardez. C'est là, 20 000 vues sur le titre là. Un titre que j'ai posté, j'ai laissé. Je me suis occupé seulement de ça pendant peut-être un mois. Comme j'en ai eu marre de me faire escroquer avec les arrangeurs à distance. Entre Phil Bill qui a mangé mon argent, hein, et le reste des arrangeurs qui m'ont escroqué, j'ai décidé de ne plus travailler ma musique à distance. Ma chérie, sinon, quand moi je fais la musique là, je suis dedans. Mes textes, je les écris toute seule. On ne peut pas être partout. Tu fais la concurrence avec qui? Tu crois que moi je peux compétir avec toi? Tu n'es pas. Ah non, tu n'es pas de mon acabit. Je te le dis tout de suite. Je compétis quoi avec toi? Avec toi. Là où moi je vois, mais je te dis que moi je compétis avec Lady Sonia. Je vais venir compétir avec toi. Pour faire quoi? Le titre c'est Transforme-moi mon étoile. Elle n'est pas partie chercher, ça n'a pas me chercher une plateforme où je ne savais pas qu'il y a ma musique là-bas. C'est toi qui m'informe qu'il y a ma musique là-bas. Les gens ont travaillé pour moi, je ne savais même pas qu'ils ont mis ça partout, partout. Voilà la seule plateforme que je gère. Moi je suis pas un démon en liberté, mais balade pas partout. C'est la seule. Tu dis que hein, ça, tu n'es pas artiste. Tu m'as vu discuter le grade d'artiste avec toi. Je discute le grade d'artiste avec toi. Quand on parle des artistes, les artistes s'agitent comme toi sur les réseaux sociaux. Les artistes, c'est leur talent qui parle. Tu m'as vu discuter le grade d'artiste. Ah, je suis une artiste de gospel. Quand tu fais la musique du monde, est-ce qu'on fait la même chose? Tu sais combien de titres j'ai ici? Quand Dieu me donne le temps d'aller au Cameroun, ce n'est pas pour toi que moi je chante. Moi je chante pour la gloire de mon créateur. Est-ce que tu vois qu'il y a nuance? Je ne chante pas pour vendre. Je ne chante pas pour vendre. Seigneur, oh mon Dieu, agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis, oh Seigneur, agis dans ma vie. Agis, oh mon Dieu, agis dans ma vie. Quand je veux des enfants et puis que je pense que c'est fini, je cherche un bon mari, aucun homme ne veut s'engager. Je tombe enfin sur un, c'est un alcoolique réputé. Malgré tout, je digère, la belle famille me met le feu. Ça, ce sont mes titres. Tu crois que je peux avoir déjà d'inspiration et je viens faire la compétition avec toi? Tu entends le fond de mes chansons que j'écris? Transforme-moi, ô Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Transforme-moi, ô Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Tu as entendu que c'est la même musique qu'on fait, hein? Moi, je prie. Chanter, c'est prier deux fois. Moi, je ne fais pas la musique du monde. Je prie. Est-ce que tu es artiste? Qui t'a parlé de la d'artiste? Qui a fait la concurrence avec toi, avec l'artiste? Hein? La seule artiste qui bavarde depuis de 10 ans, elle me dit que si tu sais que je bavarde depuis de 7 heures d'état sur TikTok, c'est que tu me regardes, non? Quand tu entres sur TikTok, tu as vu ce que je fais sur TikTok, non? Je poste mes vidéos. Quand j'arrive à poster, TikTok me dit que celle-ci est en ligne. Je te vois à 15h, je reviens voir si ma vidéo a pris à 17h, tu es toujours connecté. Je dis, mais la fille, sinon, qu'est-ce que ça fait? Au tout début, quand on m'a montré que tu venais d'arriver sur TikTok, je suis entré dans ton TikTok, tu m'as vu, mais je suis ressorti tout de suite parce que tu ne disais rien de bon.
Je me suis juste dit à ramener leur commérage de Facebook sur TikTok. Elle n'a pas compris que TikTok c'est pour les créateurs. TikTok ce n'est pas pour le commérage. Ce n'est pas pour parler des sujets à deux balles. TikTok c'est pour les travailleurs. Les gens qui ont quelque chose à donner. Tu me dis que c'est normal que tu parles sur TikTok pendant plus de 7 heures pour avoir une communauté. Ta musique ne peut pas te faire avoir une communauté. Tu as vu que tu n'as rien dans la tête. À ton titre, tout que tu vas chanter ne peut pas te faire gagner la communauté, tu sais. Viens, je vais te montrer comment on fait dans la vie. Regardez-moi celle qui ose me dire que je peux la tricher. Tu as quoi à tricher? Tu as réussi quoi dans la vie pour qu'on te triche? On triche, l'a dit Sonia. On va se venir tricher les gens comme toi. Tu as réussi quoi? À part le commérage, parler à longueur de journée, aller supplier les sucettes adultes, tu as réussi quoi? Pour que je puisse te singer. Tu fais quoi de bon? Tu ressembles à quoi? Pour qu'on te triche? Elle est triche, hein? Il y a même une triche. Triche quoi sur toi? Viens, je vais te montrer qui te triche. Elle me dit que moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je suis obligée de parler sur TikTok plus de 7 heures. On m'a donné 500 euros le lion. On va passer la vie à te donner, ma chérie. Lève-toi, va travailler. Et c'est-à-dire, et on croit qu'elle est intelligente. Hein? Si quelqu'un a pris sa carte bleue, il est parti payer. Il m'a donné le lion. 500 euros. Tu ne peux pas travailler, ma. Donc, tu bavardes de tout ça. Tu insultes les gens pour l'argent. Donc, tu peux t'asseoir comme ça. C'est que tu fais la suite. Je te dis que tu es mendiante. Et tu viens confirmer ça en direct. Elle m'a donné le lion. Donc, le bavardage, là, les 5 là, c'est pour ça. Donc, tu viens confirmer. Regarde comment tu es bête. Tu ne peux pas faire abstraction des 500 euros là. Nous, tous, nous dans les étoiles, mais tu bavardes de tout. Toi, c'est que tu es mendiante. Donc, tu peux t'asseoir à 7 heures de temps. Tu n'as pas de vie. Va travailler. Les gens qui payent avec leur carte bleue pour te donner, ce sont les travailleurs. Ce sont les travailleurs. Tu n'as pas honte. Va travailler. Parce que si tu brandis ça comme ça, c'est que tu as faim. Va, mais va bosser. Je sais pas, vends, fais comme nous, vends les perruques, vends les chaussures, vends quelque chose. Mais trouve-toi un métier, ma chérie. Parce que tu n'es pas encore artiste, tu n'es pas encore reconnu, tu ne gagnes pas encore grâce à ta musique. Donc, mais occupe-toi de temps, tu fais quoi? Pour faire ta musique, il faut qu'on paye à ta place. Tu crois que moi, mon Dieu, tu sais combien j'ai payé à Philbin? Moi, je ne suis pas une menteuse. 1 million de francs, c'est pas. Attendez. Peut-être 600 000, si je ne me trompe pas. J'ai payé à Philbin 600 000 pour mon single. Je n'ai pas travaillé avec un petit manager, un petit arrangeur. 600 000. Et encore, Philbin m'a fait le prix. Ben, j'ai négocié. Moi, je négocie, je suis une vendeuse. 600 000. Mon deuxième 600 000 que j'ai payé, il a mangé ça. Allez, dis que c'est toi qui a dit. Fil bill. Hein? Tu as compris? Tu m'as entendu dire que venez cotiser pour moi. Donc tu fais t'amuser pour que les autres viennent cotiser pour toi. Hein? Mm-hmm. Hein? Les autres peuvent demander qu'on cotise. Toi, avec ta grande gueule, tu ne peux pas avoir ton argent. Hein? Et tu oses parler où je parle. Pour faire ton album, tu demandes qu'on paye pour toi. Tu veux que moi, pour faire mon album, je vais appeler les gens pour faire mon album. Hein? Et tu oses parler où je parle. Et juste là, tu oses croire que je te singe. Avec quoi? C'est ça, tu. Pardon, pardon, tu finis d'insulter les gens, tu supplies qu'on cotise dans la valienne pour faire ta musique. Et tu oses parler où je parle. Moi qui paye, j'ai travaillé avec Bertrand Eva. Je n'ai pas travaillé avec des arrangeurs de pacotiers. Hein. J'ai travaillé avec Bertrand Eva. J'ai travaillé avec Yano, l'arrangeur l'arrangeur de Bannister. J'ai travaillé avec Philbin. Le prochain arrangeur avec qui je vais travailler, c'est tous des arrangeurs qui ont travaillé avec les diposes. Savez que moi j'ai travaillé. Tu as travaillé avec qui? Est-ce que tu vois un peu? Le beat que tu entends, la transformation, je fais même la publicité de Philbin alors qu'il m'a escroqué. C'est Philbin qui est derrière le beat là. En association avec l'artiste Valex, Belle Valex. Tu m'as vu demander l'argent ici pour ça. Tu as pas honte? Hein? Comme elle n'a plus rien à dire, elle ose dire que oh, tu es parti payer. Tu es parti payer. Ce qui est sûr, c'est que tu as écrasé le Ndongo. Hein? Logmo Sophie, tu ne lis pas mes messages. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire mon direct pour lire seulement toi tes messages. Ma. Je suis en direct, je suis en train de parler. Si je ne te lis pas, c'est que je suis occupée. Donc je vais rester là pour attendre que tu écrives avec tout ce monde qui écrit l'amour d'étoile. C'est pas poli. Quand je fais souvent les petits lives, je prends le temps de vous lire. Quand même, n'abusez pas. Oh, on ne fait pas ça. Tu parles à qui? Poil aux aisselles. Sale comme pouf. Elle est partie porter sa dernière robe pour me répondre. Tu n'as pas honte. Tu ne pourras pas t'habiller depuis. Tu ne pourras pas attendre. Une fille qui ne sait pas se laver. Viens, tu me triches. Viens, va te montrer TikTok. Ça, c'est mon TikTok, mes étoiles. Attendez. C'est une douceur. Ça, c'est ça, mes. Attendez, va te montrer TikTok, ma chérie. Elle dit que, oui, je bavarde si ça t'a touché. Je bavarde si TikTok plus de 7 heures de temps parce que je vais créer ma communauté, mais tu as besoin de beaucoup d'efforts. Je souffre. Adama, je ne suis pas comme toi qu'on fabrique parce que tu as insulté le président, c'est pour ça que tu es connu, ma chérie. J'ai insulté le président, je suis connu depuis que tu insultes le gouvernement là qui te connaît. Tu as compris que chacun a son aura. Moi, j'ai insulté le président selon toi. Demander le changement, c'est insulter le président. Demander les infrastructures dans ton cerveau de moineau, c'est insulter le président. Dis au président que tout dîner pas sa maison de retraite, qu'il attend qu'il aille se reposer, ça veut dire l'insulter. C'est notre président, c'est notre papa, c'est notre grand-père, on l'aime. Mais à un moment donné, nous sommes ses enfants, on lui dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pour toi, c'est insulter. Tu dis que tu étais à l'école. Quelle école? L'école de la bordellerie. Ça se voit sur toi? Regardez-moi ça. Elle a la tête comme le désordre. Viens, va te montrer. Tu as dit que quoi? Donc, c'est en insultant le président comme a connu. Viens, elle te montre. Ça, c'est l'étoile qui vient. Elle va de plus de 7 heures tous les jours. Ça, c'est l'étoile qui vient sur TikTok. Bon, il faut aussi appeler ta soeur. Tu m'avais dit que c'est ta soeur du village qui m'a fabriqué. Regarde, ma chérie. Mais toi, regardez bien. Faut un peu lui donner la leçon. Celle qui dit qu'on la triche. C'est l'étoile qui vient sur TikTok. Sans besoin de mendier les lions sur TikTok. J'ai 410 000 abonnés sur TikTok. Est-ce que tu vois un peu? En plus, ma page TikTok est restreinte. Tu vois le nombre de vues que mes vidéos font? 2 millions. Je suis regardée par les millions et les millions d'Africains dans le monde. Sans oublier les Européens. Et ce n'est pas le genre que TikTok fait juste le buzz. Tu sens que la vidéo, le contenu intéresse. 410 000 abonnés. Tu es parti regarder, n'est-ce pas? Ça te fait mal, hein? Hmm? Tu dis que tu bavardes plus de 7 heures pour avoir ça. Moi, je ne bavarde pas plus de 7 heures pour avoir ça. Attends. Regarde. Regardez cette paire de chaussures. Combien de minutes? Attends. Elle est très belle. Je l'aime beaucoup. Cette vidéo. Seulement. Regarde, ma chérie. Cette vidéo, elle ne dure même pas 2 minutes. Elle a 870 000 vues. Cette vidéo qui a 2 400 000 les vues. Les mariés. Elle ne dure même pas 2 minutes. Ça s'appelle avoir quelque chose dans le cerveau, ma chérie. 2 minutes. Hein? Quand demain, tes proches vont aller partager une de mes vidéos TikTok, ils vont venir se vanter qu'ils m'ont fabriqué avec mon propre travail. Et tu oses parler où je parle? Tu es obligé de te dénuder sur TikTok toute la journée, hein? Toute la journée, toutes les semaines.
Tous les jours, elle est sur TikTok. Je suis sûr qu'elle fait les vidéos même 5-7 fois par jour pour babader chercher les lions. Ah, dama. En tout cas, qui a donné Facebook aux Camerounais. Et dès que je lui ai un peu répondu, elle a couru. Elle est venue répondre. Je vous ai dit quoi? Elle attend la réponse. Après, là, tu vas taper poteau. Après, tu vas taper poteau. Tu entends avec quoi? Tu vas bavarder sale. Tu n'es pas intéressante. Je te dis la vérité. Tu n'arrives même pas à m'énerver tellement. Tu es d'abord sale. Amère, Amère dit que la femme la plus intelligente avec qui il est sorti, c'est la femme qui est docteur Modestine. Alors que tu es encore en train de courir derrière lui. Donc, il t'annonce que tu es très bête. On peut laver sa femme comme ça. Amère, Amère. Hein? On peut laver sa femme comme ça. Il dit que Port de l'Ouest a saleté de ça. Aujourd'hui, Port de l'Ouest, elle qui faisait partie de la base avec vous. Elle me dit que je suis connue parce que j'ai insulté le président. Je ne suis plus connue parce que ta soeur du village m'a fabriqué, ma chérie. Tu as oublié. Ce qui est bien, c'est qu'au fond de vous, vous savez comment j'ai travaillé ma page. C'est ça qui est bien. La vérité sort de vos bouches. Tu es connue parce que tu as insulté le président. Tu ne dis plus que je suis connue parce que ta soeur, tata Loulou m'a fabriqué. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Aucune personnalité, Jordan. Elle me fait même pitié. Elle est là, elle pas mettre les brillants, brillants pour montrer qu'elle est habillée aussi. On prend la bûche d'allumette, choup, Flore Choupinette, bisous, Cindy, bisous, choup, ça se brûle. Tout ça pour répondre à l'étoile cribienne. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Tu attendais la réponse là depuis, tu vas maintenant travailler. Tu vas maintenant bosser. Va chercher les renforts. Vous avez commencé quoi, la réunion de WhatsApp? Vous avez déjà commencé les réunions de WhatsApp pour savoir comment on va un peu t'aider en m'insultant? Tu sais que vous avez besoin d'être plusieurs pour moi, non? Moi, je vous règne sur vous tous seul. Sans jamais. Seul. Contre vous tous. Les gens qui font l'amitié quand ils sont dans les combats. Les gens qui se pardonnent parce que l'autre a insulté son ennemi. Les ting-ting. Regarde-moi la porcherie. Tout pour les vues. Elle va faire le buzz. Après, elle cale dans le buzz. Et elle est toujours derrière. Après le buzz, là, tu présentes au Cameroun. Moi, si je ne vends pas les produits, je fais la création de contenu. Sur TikTok, je suis une créatrice de contenu. Sur TikTok. Il y a 400 000 abonnés. Peut-être seulement 5 000 personnes de mon Facebook. Parce que je ne parlais pas de mon TikTok. Donc, c'est une nouvelle communauté. C'est ma création. Toi, là, on enlève le Congo ça aujourd'hui, tu donnes quoi au Cameroun? On enlève les vies des gens dans ta bouche, tu donnes quoi? Rien. Quand Facebook m'a resté ici, là, moi, je suis parti créer mon contenu sur TikTok. Et tu as vu ça toujours. Puis tu vois qu'on n'est pas pareil. Le mauvais cœur, ça te bloque toutes les routes. Le mauvais cœur te bloque toutes les routes. Dieu voit les cœurs de chacun. Partout où j'arrive, il y a une grâce. J'arrive sur TikTok, je déchire tout. Et si j'étais concentrée sur TikTok, c'est que je suis déjà dans le million d'abonnés. Les gens me pleurent sur TikTok. Tu es où les toi? Tu fais une vidéo tous les 100 ans. Le jour où je vais m'asseoir sur TikTok, tu vas voir. En moins de 6 mois, je vais faire le million d'abonnés. Tu rêves de ma visibilité. Toi, tu vas faire un peu d'abonnés là bientôt avec tes 5 que tu mets dehors. Et tu n'as rien à revendre. Les débats inutiles au Congo, ça, les vies des gens. C'est ce que tu fais là-bas sur TikTok. Les gens que tu parles à tout le monde, partout, partout, pour parler des vies des gens. Sur TikTok, ce sont les créateurs de contenu. Tu n'as pas le génie, tu n'aimes pas être là-bas. Mais comme tu aimes être partout le Congo, ça, quand Facebook t'a dépassé, tu es venu te chercher un peu là-bas. Elle a commencé à danser, des danses déshabillées pour un peu faire, parce qu'elle était à la chasse. À la chasse. Elle est à la chasse partout. Mika, j'ai même pitié d'elle. Tu penses que tu peux dire quoi qui sort de ta bouche jusqu'à ce matin? Tout ce que je te vois, c'est saleté. Je te promets. Il y a les filles, quand tu regardes Coco Emilia, mais Coco Emilia te donne envie d'aller te laver. Quand tu regardes Nathalie, quoi? Nathalie, quoi? Elle te donne envie d'aller te laver. On va regarder toi aussi, tu vas donner envie à quelqu'un d'aller se laver. On te regarde, tu donnes envie à quelqu'un de devenir sale. Mais c'est saleté. Même quand tu fais l'effort de te laver, il y a toute la trace de la saleté quelque part. Elle dit que, elle a payé à mec, elle a payé. Vous voulez que je vous montre la vidéo où elle sera à mec, on sent quelqu'un qui ne peut pas, ma chérie. Regarde-moi. J'ai dormi sur un même lit avec un homme plus de 6 mois. Devant Dieu, devant les hommes. Il m'a jamais touché. Lui, alors, il me draguait. Plus de 6 mois. Les filles, dès que tu es seulement en train de caresser l'oreille, là-bas, c'est derrière la rivière. Le macabo, ça gratte. Elle dit que, il faut voir, entre elle et moi, vous ne voyez pas que c'est mec, qui vient vers moi. Elle, c'est elle qui va vers mec, parce qu'il n'y avait pas d'ambiguïté entre nous. Beaucoup de respect. Mec, vient vers toi parce qu'il a compris que tu es accessible. Justement, Amek Amek ne peut pas me tripoter comme il t'a tripoté parce que j'impose le respect. Il me laisse le toucher parce qu'il se dit que s'il le fait, ça veut manquer de respect. Toi, on va te respecter avec quoi? Il te caresse parce qu'il sait que tu as faim là-bas en bas. Il va te nourrir et il t'a nourri. Les hommes le savent, ils savent voir les femmes en chaleur. Il a compris que tu es en chaleur. Le gars, je vous dis, vous pensez que je suis en train de rigoler. Amek Amek à côté de moi, il s'est senti, comment dire, comme l'homme qui a peur de parler à une femme. Il a oublié que je suis sa soeur. Donc, il flippe. Mais devant toi, il voit la saleté. C'est plus facile. Oh, c'est pitié incroyable. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie moi les cœurs. Si ça te plaît, mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Quand tu entres dans une maison propre, je dis que même si tu n'as pas l'habitude d'enlever les chaussures, tu as peur de salir la maison là. Regarde-moi ma chérie, quand on entre dans une maison propre, faites l'expérience. Quand vous entrez dans une maison propre, vous avez peur de salir la maison. C'est-à-dire que vous allez faire attention à comment vous marchez. Quand vous marchez, même vous guettez. Quand vous mangez le pain, vous avez même peur que les miettes tombent et que ça salisse. C'est exactement ça avec moi. Mais comme toi tu es sale, il n'a pas eu peur de te toucher. Parce que tu es déjà sale. Ça ne va pas se voir quand tu es encore sali, c'est déjà sale. Kundaimon, c'est ça. C'est pour ça que tu te tripotes.
Et quand il a vu comment, dès que tu te tripotes, tu rigoles. Il sent comment là-bas, il sentait comment là-bas, tu avais de la vie. Eh, on peut aimer les hommes comme ça à la mer. Hein? Va te faire fabriquer où tu te fabriques. Tu n'as rien. Amek Amek dit que tu as donné l'argent pour acheter ses 53 centimes. C'est pas grave. D'accord? Il ne peut pas dire ça. Amek Amek n'est pas un menteur. Voilà. Amek Amek m'a vu. Il voit un peu là, le genre de personne que je suis. Il était dans ma ville. Toutes les mamans de la ville là, lui ont parlé. Tu dis que j'ai donné l'argent à Amek Amek pour Nias. Toutes les mamans de la ville qui Amek Amek a vu, lui ont sans doute dit qu'elles ont déjà bu une bière de moi. Toutes ces mamans là, pas pour les mépriser, c'est une question d'éducation. Quand j'arrive dans un bar, je trouve des mamans qui peuvent être des mamans de l'âge de ma maman. Je demande à la vendeuse de faire une tournée. Tout le monde me connaît pour ça. Je demande à la vendeuse, faites une tournée pour toutes ces mamans là. Ma chérie, voilà d'où vient ma bénédiction. Parce que autant de mamans qui ont la joie dans le cœur, qui prient pour moi même pour rien. Il m'arrive même parfois, je vois maman en train de faire ses courses. Je pense à ma maman, je lui dis, maman, je paye toutes tes courses. Pas parce que je suis riche, mais c'est une question d'éducation. Parce que je me dis, si Dieu me prend demain et que ma maman est dans les problèmes, mes actions que j'ai posées peuvent accompagner ma maman. Demain, ma maman est dans les problèmes en train de faire les courses. Une inconnue comme ça lui dit, maman, Marie, prends 100 000. Alors que c'est sa fille qui faisait ça partout. Quand tu es un peu partage avec les autres, ne regarde pas personne. Vous êtes habitués, vous les femmes, Kamel. Ce sont les hommes qui doivent toujours vous donner. Vous pouvez donner à vos frères. Pourquoi c'est toujours vos frères qui vont faire vos courses dans les magasins? Pourquoi c'est toujours vos frères qui vous disent, prends une bouteille de bière? Pourquoi ça ne vient pas de vous? C'est pourquoi vous êtes étonné qu'une femme dise à un homme prend une bouteille de bière. Ça ne fait pas partie de votre éducation. Toi, parce qu'il y a les femmes ta mère qui sont gentilles. Moi, j'arrive dans un bar à Nantes. Quand je suis bien, mes poches sont remplies. Je vois les pères qui sont là, dit papa, buvez une tournée. Chemina, bisous. Chemina, quel bisous. Je vois les pères qui sont là, dit papa, tata, donne-leur la bière à eux tous. Je ne regarde pas que ça. Tu vas dire que les bières que j'achète souvent à tous ces hommes-là, c'est parce que je vais les écraser. Dans ma ville à Nantes, tu parles mal de moi, on va te ramasser. Parce que ce sont mes actions qui ont primé. L'étoile qui vient là, on bénit toujours ma maman. Quand tu arrives dans ma ville, on va te dire qui elle ne dérange pas. D'accord? Merci Florence et Dimon. Elle peut tuer l'Inès pour la visibilité. Elle peut. C'est-à-dire, vous voyez ce qu'elle a été capable de faire. C'est-à-dire, elle a compris qu'elle n'a rien à revendre. Moi, tu me mets dans les clashs, je m'en sors. Tu me mets dans les débats politiques, je m'en sors. Tu me mets dans les faits de société, je m'en sors. Tu me mets dans les créations de vidéos, je m'en sors. Tu me mets dans la comédie, joue un rôle de comédie, je m'en sors. Elle a vu qu'elle n'a rien à revendre. Elle a été obligée de coller les gens qu'elle a insultés hier. Les gens qu'elle a insultés hier, elle a été obligée de les supplier. Les plateaux de télé qu'elle a dénigrés hier, elle a été obligée de se retrouver là-bas. On peut être basse comme ça. Les vendeuses de Ndongo qu'elle insultait, vendeuses de Ndongo, sorties de sa bouche que ce sont des vendeuses de Ndongo. Elle est allée sur ce plateau pour promouvoir sa musique. Elle n'a pas hésité. Alors qu'elle les insultait. Un peu de dignité. C'est pour ça que moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne permets même pas qu'il prenne mon produit, faire ma promotion. Parce que je ne veux pas manger son argent, c'est une question de fierté. Je ne veux pas qu'il touche à mon produit. Courte publicité. Pour un joli thème des étoiles. Passez vos commandes sur le site Cribiclair, on livre partout. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 euros, c'est la gamme que moi-même j'utilise. Il y a 5 produits, on livre partout. Voilà. Eh ma chérie, j'ai fini avec toi, je n'ai pas le temps là. Je ne suis pas venue sur Facebook pour les clashs. Si je te clash, moi je suis un enfant du quartier. Si je te clash tous les jours, je te jure, tu vas pleurer toutes les nuits. Tu vas venir faire semblant d'être à l'aise, mais tu ne seras pas à l'aise. Tu t'es tué. Je ne suis pas venue sur Facebook pour ça, je t'ai donné ta dose, tu méritais. Tu t'agitais un peu trop. Regardez, c'est Spotify, j'ai plus de vues qu'elle. Et tu es parti où avec les vues là? Ce n'est pas toi qui es en train de supplier Tata Lolo là-bas pour qu'elle te fabrique sur son plateau. Ça t'a amené où? 4000 vues, ça t'a amené où? Qui te connaît dans la musique? Tu n'as même pas encore fait ton chemin, tu t'agis derrière comme la puce comme ça. Hein? Qui te connaît? Laisse même le temps aux gens de te découvrir. Fais même un morceau qui va bouger. Hein? Et tu n'auras même pas besoin d'aller supplier les gens sur leur plateau de télé. Ta musique, on va vouloir chanter partout. Vanister chante ici là avec sa guitare. Tu as déjà vu Vanister s'asseoir pour insulter les gens parce qu'il veut qu'on connaisse sa musique. Il sait que son âme va parler. Il sait que le temps de Dieu va arriver. Il donne le meilleur. Tu as déjà vu Daphné s'asseoir? Christina. Celle qui chante. Wow, wow, à chacun sa chance. Wow, wow. C'est ta génération, non? C'est une jeune fille comme nous, c'est notre génération. Tu l'as déjà vu insulter les gens. Tu ne peux pas singer le bon exemple. Tu es obligé d'insulter les gens pour qu'on aime ta musique. On va aimer quoi sur quelqu'un qui insulte les gens tous les jours? Charlotte Dibana chante ici, tu la vois s'asseoir pour insulter les gens. Tous ces artistes-là, tu les vois s'asseoir pour insulter les gens. Il y a celle qui est là-bas en Côte d'Ivoire, là, qui chante là. Comment elle s'appelle même encore là? Tu la vois insulter les gens? C'est parce que tu n'as pas de talent, ma chérie, il faut le dire. Tu sais que tu n'as pas de talent et il faut un peu faire la vulgarité pour qu'on s'intéresse un peu à toi. Mais par contre, tu as une belle voix. Tu peux essayer de faire quelque chose. Mais comme tu aimes les problèmes, tu aimes mamie problème. Ah, tu es mamie problème. Ok? Est-ce qu'on est la mère de Christ? Comme tu nous regardes ici, là, quand tu nous regardes, tu vois qu'on n'est pas sa génération, on l'a accouché. Et vous complexez beaucoup avec l'argent. Donc quand tu nous vois là, nous sommes les grandes mères. Enfin, quand tu me vois là, je suis ta grand-mère. Tu crois que j'ai 3 enfants, ça veut dire qu'elle a 50 ans. Elle parle mieux que toi, je suis ta grand-mère, elle t'a accouché. D'accord? Essaye un peu de travailler ta musique. Arrête les problèmes, tu aimes trop les problèmes. Ok? Tu as vu ce que tu as tellement posé les crottes partout qu'aujourd'hui tu es bloqué. Le passage que tu as fait chez Tata Lolo, ça ne suffit pas. C'est nous qui devions partager gratuitement sans demander un centime. Nous ne sommes pas comme toi. Mais comme tu es mauvais, je ne partagerai jamais ta musique. Je dis bien jamais. Tu vas venir demander pardon à tout le monde. Après, on va un peu réfléchir. Mais toi, là, c'est la vie. Mauvaise fille. Va travailler, ok? Fais l'effort de travailler. Concentre-toi sur ton travail. Moi, là, quand Facebook me dépasse, je me retire un peu, je me concentre, tu ne vois pas. Toujours dans les problèmes. Tellement que tu es toujours en train de chercher à te rivaliser avec l'étoile qui vient, que tu ne te concentres pas dans ton travail.
comme elle sait qu'elle n'a aucun potentiel, elle est obligée de créer le buzz. J'ai vu une femme là, toi là qui a fait le salon Ouch là. Et toi tu as un faux profil pour me regarder. Donc toi tu crois que moi je vais m'asseoir te faire un live. J'étais déjà fait un live une fois, j'étais dit ce que je pensais. Mais toi tu fais pas partie des blogueurs que moi je regarde. Je peux pas m'asseoir tous les jours et te regarde. Dès qu'il y a mon problème sur la toile, toi tu récupères. On fait les coupures partout, partout. Toi-même, tu es quoi dans la sauce méta? Celle-là qui a fait le salon Hoche là, ou c'est Hoche. Tu es sur ton égal? Tu peux pas chercher tes égales là sur Facebook. Hein? Tu es toi en train de t'intéresser à moi. Tu as vu quand tu m'as provoqué ici avec mon dossier. Je t'ai dit ce que je pensais. Tu es parti dire que tu as fait pleurer, je suis méchante. Je t'ai dit ce que je pensais une fois, je suis pas passé. Mais tu ne fais que dormir derrière mon dos. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu as ton problème avec monsieur Messin ici. Tu crois que je n'ai pas vu? Je pouvais aussi venir récupérer que comme tu attends, je viens donner ma dose. Non? Pourquoi vous êtes haineuse comme ça? J'ai dit non, le gars là va trop loin. Je vous ai laissé avec. Pourquoi tu t'occupes des vies des gens qui s'intéressent pas à toi comme ça? Hein? Donc toi, la dame là. Moi, j'ai pas le temps pour te faire live. Hein. Mais essaye de te respecter. Je suis pas ton égal, ma chérie. Hein? Tu peux pas passer ta vie sur Facebook à t'intéresser aux personnes qui te disent. Tu m'as rien vu parler de toi. La dernière fois, quand j'ai eu mon buzz, tu as fait ton show. Je t'ai fait une réponse. Tu me vois parler de toi ici. Tu me vois m'intéresser à ta vie. Pourquoi vous m'aimez comme ça? Dès que tu entends les toi qui viennent, tu fais la coupure de ma vidéo. C'est quoi avec toi? Je t'ai demandé quelque chose. C'est ton nom que j'ai prononcé. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Ta vie te dépasse. C'est la mienne que tu veux gérer. Hein? C'est quoi? Vous venez souvent acheter les problèmes comme ça. Demain, quand il y a l'appel, vous calez. C'est toujours parce que vous êtes dans les teams que vous détestez même ceux que vous ne connaissez pas. Ceux qui ne vous cherchent pas les problèmes. Vous faites gaffe. La toile que vous voyez ici, il y a beaucoup d'hypocrites. Vous êtes là depuis, mais vous n'avez rien compris. Tu entres dans les gars, j'ai un problème avec toi, ma chérie. Tu t'es mêlé de mon problème. Tu as dit ce qui n'était pas vrai. Je t'ai répondu. Tu m'as encore vu te parler. Tu t'es entré dans les problèmes parce que tu cherches quoi, l'amitié? Déjà, c'est juste la haine que vous aimez. Puisque ça ne vous donne rien, ça ne te donne rien de venir chercher problème. Je réponds à ceux qui le méritent. Je t'ai pas appelé ici. Tu faisais ta gare avec monsieur Messancy, c'est le mois dernier. Vous vous laviez là-bas correctement. On avait vu ignorer. On pouvait aussi faire les haineux comme vous, faire multiplier les likes, découper. Non. Mets-toi un peu de ta vie, pardon. Mets-toi de ta vie avec les gens que tu connais dans la vraie vie. Moi, je ne te connais pas. C'est toi qui es entré en contact avec moi quand tu faisais ta fête à beau salon Hoche. Hein? Quand tu faisais ta fête au salon Hoche, tu m'as appelé, tu m'as contacté parce que tu voulais la visibilité. Je n'ai pas hésité de partager ton flyer. Faut jamais oublier le bienfait. Je ne te connaissais pas. Je ne savais même pas qui tu étais. C'est quand je mets ton flyer sur ma page qu'on me dit que tu avais eu un problème avec Flo, que ou bien tu as volé le nom, ou bien le nom est monté. Je te connaissais pas. J'ai accepté de partager ton flyer sur ma page. C'est comme ça que tu me remercies. C'est quoi? Faut laisser mon nom, hein? On s'est jamais rencontré. Moi, je peux m'accrocher sur quelqu'un que je connais. Tu vas remarquer que c'est tous ces filles-là, je ne les connais pas, donc je m'accroche pas sur elles. On se connaît pas dans la vraie vie. Tu te mêles de ma vie comme ça, pourquoi? Apprenez à vous respecter un certain âge, respectez-vous. Tu peux pas t'intéresser à une personne qui te calcule pas, ma chérie. Que tu t'intéresses à tes copines de base avant, vous connaissez, mais tu me connais où? Vous t'intéresser à moi comme ça? Dès que je fais une vidéo, tu découpes, tu donnes ton avis, tu me connais où? Tu vas passer ta vie à donner ton avis pour quelqu'un qui te gère pas? Au bout d'un moment, t'as pas honte? Hein? Mais respectez-vous un peu. Respectez vos richesses, respectez vos âges. Je sais pas, moi, vous avez des enfants, non, madame? Vous pouvez pas vous respecter, oui? Hein? Parce que quand je vais m'asseoir, ils sont pas du corps. Moi, c'est comme ça, je ne viens pas souvent vite répondre, je garde. Et le jour, ça va sonner tout. Je vais m'asseoir. Faut pas venir aboyer après. Parce que quand vous commencez, vous ne voyez pas. Et c'est comme ça qu'à vos âges, vous manquez beaucoup. Tu es venu ici récupérer ce que j'ai dit aux étoiles que mes étoiles, j'ai eu tel problème avec un ex. Je suis parti m'inscrire sur un site de rencontre. Ma chérie, un site de rencontre n'est pas un site de pornographie. Je ne sais pas, peut-être vos cerveaux là sont habitués à vendre le ndongo dans les rues. Ou quelqu'un parle d'un site de rencontre, tu dis que c'est un site de pornographie. Quand les toiles qui viennent avouer qu'elle était dans un site de vendeuse de ndongo, ma chérie, j'ai dit site de rencontre. Tant ici, j'ai dit site de pornographie. On peut être sorcier comme ça. À ton âge, tu manques. Hein? Tu manques quelque chose qu'on peut vérifier. Vous mentez, hein? Vous les gens de méta, vous êtes des sorcières. Tu manques avec quelque chose qu'on peut vérifier. Tu m'avais dit ça. Hein? On t'a dit que moi j'ai honte de dire à mes étoiles que je me suis inscrite dans un site de rencontre. C'est vous qui vivez, vous mentez, vous inventez tous les milliardaires de méta. Hein? Tu dis que c'est comme ça qu'elle est escroquée blanc. Tu connais ma vie, ma soeur, tu me connais où? Toi là, si on te donne un homme qui m'a donné autant d'argent qu'il m'a donné, tu vas dire non. Et pourquoi tu dis que c'est dans le dongo? Tu m'as rien vu faire le poteau. Tu connais ma vie pour la raconter mieux que moi. Je suis encore vivante. Si tu as des interrogations, prends mon numéro comme tu avais pris pour me demander la publicité sur ma page. Hein? Si tu me parles, ma vie t'intéresse, je suis tellement un mystère. Tu aimerais en savoir plus, mais prends mon numéro. Le même procédé que tu as utilisé pour me demander de faire la promotion du salon Hoche là. C'est le même numéro que tu peux prendre pour me dire que mais toi, tu es une voleuse, tu as escroqué un homme, je vais te répondre, tu es une femme, non? Je vais te dire qu'en registre, je te réponds, en tant qu'Africaine, compatriote. Mais comment tu peux faire les devinettes dans ma vie? Je suis ta copine. On a fait les bains ensemble, ma chérie. C'est quoi? C'est toujours pour prouver à tata Lolo que tu l'aimes. Quel genre, c'est ça? Pour montrer que vous êtes soudés de quoi? On vous ignore. Vos habitudes que vous faites souvent ici là, complice, le lendemain, c'est la guerre. Qui vous ignore? C'est à tata Lolo que tu veux prouver que tu es solidaire, que tu es loyal. Hein? Parce que dans la haine, la te demande que tu fais ça à toi qui viennent, pourquoi? Tu vas dire que tu me connais où? On a déjà mangé ensemble. On s'est lavé nuit ensemble, on a nagé ensemble, on a joué au dossier ensemble, on a fait l'école ensemble. Quand tu me regardes, je te connais. Pourquoi tu es bête comme ça? Merde. C'est comment? Hein? Il y a une guerre qui ne finit pas. Moi, je ne te compte même pas dans mes adversaires. Tu m'as vu dire mes adversaires hier, je ne savais même pas que tu existes encore. Jusqu'à ce que ce matin, m'envoie ta vidéo. Quand il vous dit qu'on m'a envoyé sa vidéo, je suis allé cliquer sur le lien. Comment m'a envoyé la vidéo de Poil aux aisselles? Je ne savais pas qu'elle avait fait le live déjà. C'est une fille qui m'envoie la vidéo. Elle me dit que la merde, c'est toi. Poil aux aisselles, vous pouvez m'envoyer la vidéo. On m'envoie. Paul Ozissel nous a dit que tu as acheté la sucette adulte d'Amekame. La mère des étoiles, on sait qu'elle ment. Ça, c'est pour me pousser aussi à venir parler par mes étoiles aussi, elle me voit. Elle n'a pas le choix que de s'accrocher à la team. Ouais, je dis que venir, ça me dépasse. Ça, c'est la sorcellerie. Vous pensez que moi, j'entre dans les problèmes des gens? Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'achète pas les problèmes pour acheter. Je ne fais pas comme ça. C'est quand tu m'as provoqué. Hein? Je l'ai vu ici, elle s'est discutée. Elle a mis ici, elle s'est insultée avec monsieur Messin. Je pouvais aussi venir provoquer. Mais c'est pas comme ça, c'est pas une vie.
Mais cette femme-là, elle ne peut pas me voir et passer comme un taxi plein. Pourquoi la mère, la reine mère bio ne m'insulte pas? Réfléchis un peu. Pourtant, la reine mère bio et moi, on s'est déjà donné l'heure juste. Mais la mère reine mère bio, je crois qu'elle sait, elle comprend que non. Et toi qui viens n'est pas une haineuse, je ne vais pas me mêler de ça pour prouver quoi aux gens. Prouvez à votre team que vous êtes sous loyaux. Hmm? Vous n'êtes pas loyaux du tout. Là, vous, vous mangez comme les animaux de la jungle. Dès que vous êtes au téléphone, l'autre enregistre l'autre. Moi, je ne peux pas enregistrer quelqu'un avec qui je cause. Je ne peux pas vous me servir de ça après. Ça s'appelle la sorcellerie. Mais ça, c'est ce que vous vous faites entre vous. Après tout ce que vous dites, ça sort. Et quand il y a les problèmes, vous venez faire comme si vous êtes trop solidaire entre vous, alors que vous vous détestez. Un seul objectif, c'est de vous voir, de voir les autres se détruire. Oh. Faut te calmer. Moi, je ne réponds pas. Hein. J'attends. Hein. C'est le jour, ça va faire pim. Et quand je vais m'asseoir, je ne vais pas aller demain morte. Hein. C'est comme ça que je suis. Je ne viens jamais quand on me provoque tout de suite. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que tu coupes mes vidéos. Quand tu coupes, après, tu fais ton discours de haine derrière. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Hein. J'attends. One day, wait and see. Tu n'es pas mon égal, donc pardon, calme-toi. Faut souvent éviter que les gens vous manquent de respect. Respectez-vous. Quand on dit qu'on est milliardaire, on se respecte. Faut m'excuser. J'ai donné l'heure à poil aux aisselles. Parce qu'elle m'insulte depuis des années. Hein. Elle m'insulte depuis des années. Elle est jalouse depuis des années. Et quand elle me voit, elle voit son échec. Hein? Et c'est elle qui me triche comparé à ce qu'elle dit. Moi, je ne la connaissais pas. C'est elle qui me connaissait. Elle est venue. Elle sait que ce que je dis est vrai. Mais je crois aux ancêtres. Les ancêtres t'ont envoyé aller mettre les plastiques. Les ancêtres t'ont envoyé aller faire l'amour sans présenter à tes parents. Les gens qui parlent des ancêtres pour parler. Tu dois écraser le nom avec un nom que tu ne connais pas. Les ancêtres ne voient pas que c'est une sale vie que tu mènes. Hein? Balok. Mais c'est quoi, d'amour? Passez la commande de la gamme Cribiclair. Allez sur le site Cribiclair. J'ai dit que il y a les gens ici, mes étoiles. Quand vous vous clashez, même ça vous aide. C'est ceux-là. Ils me font plus rire qu'autre chose. Hein? Mon village brille, ton village brille, Sandra. Ton village brille bien même. Hein? Les étoiles, on va faire un. Le live de demain, non? Le live de demain, maman. On a deux sujets primordiaux à aborder. Demain, maman, le monde est gâté. Un voit à travers la fumée d'une dépasse. Je dis que ça me dépasse. J'ai dit que mes étoiles. Donc, quand on voit la vidéo là, je peux regarder là où je faisais la vidéo. C'est là où elle faisait la vidéo. Elle n'a même pas attendu. C'est-à-dire, elle était tellement contente. Elle dit que ouf. Depuis que j'attends que ma patronne me réponde, enfin répondu, ouf. Et ça sort aussi. Elle fait genre, elle est partie mettre la dernière robe de. Vous connaissez les robes de décembre là? Elle est partie prendre la dernière robe de décembre. Elle est partie mettre. Vous voyez les robes de décembre là dans mes étoiles? Les robes et les chaussures que les enfants gardaient bien jalousement. Quand tu mets ça, tu es sûr que tu as touché alors le. Tu atteins le sommet de la biobac. Elle est partie mettre ça avant de répondre. On sent comme elle avait besoin. Je suis sûr qu'elle a visité la glace au moins 10 fois. Avant de venir allumer la caméra pour voir si tout est juste. Je sais ce que c'est laver au moins 50 fois pour être sûr qu'elle ne sent pas à distance. Après, venez allumer la caméra, elle a un peu dosé, un peu le filtre. Vous voyez un peu? Là, elle fait comme si. Ok, Adama, poil aux aisselles. Maintenant, tes prochains lives, c'est poto. Hein? Ça, c'est juste, je vais te dire une vérité. Ça, c'est juste pour t'embêter, tu es pas intéressante. Mais viens, toi, qu'on aura continué d'être objectif. Merci, Julia. On a fini avec elle. Hein? On a classé ça dans les archives. Nous, on n'est pas venu sur la toile pour multiplier les lives de tu babades. Pendant un mois, on parle des mêmes sujets. Hey, on n'a pas l'heure là. On va la laisser travailler comme d'habitude. Elle va multiplier les lives pour exister un peu. C'est sûr que grâce à nous, là, il y a eu au moins 200 personnes qui la regardaient. Elle va multiplier les lives, bête là. Le Congo, ça alors. Hein? Le Congo, ça au téléphone. Dis ça. Adam. Et donc, je vais vous laisser. Je m'en vais à la maison. J'ai très faim. Et puis, dites-lui d'aller travailler, c'est important. Hein? Nous, là, on parle sur les réseaux, mais on travaille. Dites-lui que quand une personne travaille, l'oisiveté, ça pousse, ça incite quelqu'un à être aigri. Quand tu n'as rien à faire de tes journées, tu n'as pas un plan de travail. Je dis que tu t'ennuies. Il faut aller travailler. Même à distance chez toi, même à la maison, tu peux travailler. Si tu as des compétences en informatique, tu fais des petits flyers. Quelqu'un te donne un site de fer, ça va te donner au moins une semaine de boulot. Tu seras tellement prise pendant 8 heures de temps sur l'ordinateur. Tu n'auras même pas le temps de venir surveiller tout Facebook, faire le Congo. Merci Virginie. Hein? Essaye de t'occuper. Tu ne vas pas passer ta vie à attendre qu'on te donne les lions sur TikTok. Ce n'est pas une vie. Si TikTok ferme demain, tu fais comment? Merci Laurie. TikTok ferme demain, tu fais comment? Facebook n'est plus là pour te donner les étoiles. Nous, avant Facebook, on vivait. Avant Facebook, nous, on avait la société de nettoyage. Même si ça nous donne un euro, ce sont nos euros. Avant de compter sur les étoiles, que merci mes étoiles pour les 100 étoiles. Même s'il n'y a pas ça demain, on vit, on paye nos factures. Toi là, il n'y a pas ça demain, tu vas te retrouver à Emmaüs. Ou bien là au resto du cœur. Pour aller manger la nourriture là-bas. Essaye d'aller travailler, c'est important. Tu ne peux pas rester toute ta vie là où il y a les hommes en train de faire balader pour ne rien dire. Hein? Crée quelque chose, moi. Je ne sais pas moi. Tu dis que tu chantes, chante alors. Hein? Elle fait la concurrence de la musique avec moi. Moi, je chante pour Dieu, je ne chante pas pour l'argent. J'ai dépensé des sommes faramineuses pour ma musique, pour la gloire de Dieu. C'est que montre les West Indian Bertrand et Bapé te dit. Comment il s'appelle même? Fainadi. Fainadi, vous connaissez Fainadi, non? Fainadi peut vous dire combien j'ai dépensé pour la musique. J'ai travaillé avec Fainadi. Plein. Donc c'est par l'amour que je faisais ma musique. Et c'est par l'amour. Si un jour je dois retourner en studio pour la gloire de mon Dieu, ce sera par l'amour. Ce n'est pas pour faire la concurrence qui a plus de vues, non. Hein? Villageoise. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez
Océan Déco. Vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Déco est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Déco, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de s'ouvrir tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à s'ouvrir mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Dit que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. Je tiens juste à vous rappeler qu'ici sur terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto a réussi au football. Rodelie, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Marasou Québec, ce n'est pas un flash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un flash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être ska. Même Samuel Eto, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longue, longue, fais le direct. Fleur de Lille, fais le direct. La reine galloise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est vrai.